3 ans, Tozan na Akombe, na batete la boulevard du 30 juin. Ester batete la. La figuère est déformée. C'est que c'est le problème, c'est quoi? Le ministère de l'Environnement, qu'elle prenne soin de nous, s'il vous plaît. Regardez. Là, on voit quelque chose, on prend pas quelque chose. Il n'y a plus rien. Tout le monde en fuite. Regarde cette maman. Depuis ton nom, là, Mais solution la bango, les arablades, si on a le rôle, on a le yenge, on a le délé, on a le délé. Le monde est sur le côté, si on a le sanini, on a le poupoula. Mais on a le mot de santé, on a le pouna, on a le mot de santé, on a le mot de santé. Ça suit déjà le mot de santé. Attends, papa. Gouvernement Dans ce gouvernement, il y a l'État, il y a qui 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 Il y a
Nous sommes sur croisement Pumbu et Batetela. Alors, un peu plus loin là, sur croisement des avenues Batetela et de la justice, il y a de vieux arbres qui sont là depuis très longtemps. Il y a une colonie d'abeilles qui s'est installée. Depuis très longtemps d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui était un peu maladroit, qui est allé fourrer de l'autre côté. Et les abeilles se sont mis en colère. Ils nous ont dispersés. J'ai été piqué à 3 ou 4 reprises. L'histoire a pris, je crois, 1 heure du temps ou 1h30 comme ça. Maintenant, la circulation a repris. Non, mais ça ne concerne même pas les chefs de l'État. Il ne faut pas toujours mettre les chefs de l'État dans des histoires pareilles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les bourgmestres de la commune doivent voir ces arbres vieux datent de très longtemps. Ils sont très vieux. Maintenant, il faut qu'on puisse un peu débarrasser tout ça et vérifier là, parce que les abeilles peuvent tuer quelqu'un, vous savez. Ça peut tuer quelqu'un. C'est très dangereux.